Nous restons là, toi et moi, assis, en train de regarder des choses misérables à la télévision, sans nous adresser la parole, oubliant même la présence de l'autre. Je me dis que si une caméra filmait de face le vide de nos regards et l'ennui de nos visages, si nous étions ensuite confrontés à notre image sur l'écran, je crois que nous baisserions les yeux de honte et de peur. Oui, nous aurions peur de voir ce que nous sommes devenus. Je ne suis même pas sorti de mon appartement. Je suis resté chez moi, seul, et je n'ai rien modifié à mes habitudes. J'ai pris une douche et j'ai mangé en regardant la télévision. Puis j'ai fumé une cigarette, debout devant la fenêtre. Avant de me coucher, je suis allé chercher la souris blanche dans sa cage et je lui ai arraché la tête avec les dents. Chaque fois qu'il est en proie à une émotion forte, mon copain a une crise de hockey. Les spasmes sont tellement violents et rapprochés que pendant près d'une heure, il est incapable d'articuler un mot. Hier, à l'usine, on lui a annoncé qu'il était licencié. Après l'entrevue, il est revenu à son poste et s'est assis immobile devant sa machine. Tous les gars de l'atelier se sont arrêtés de travailler et ont regardé ce corps parcouru de secousses régulières. Bientôt, le hangar n'a plus résonné que des petits cris étouffés qui sortaient de sa gorge contractée. Je ne saurais dire exactement pourquoi, mais le bruit de ce hoquet, à la fois lancinant, anodin et tragique, nous a fait prendre conscience que les patrons, là-haut, avaient le pouvoir de nous étrangler comme des oiseaux.